Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Je vous promets ce soir des surprises et des découvertes autour d'un invité, un écrivain dont le nouveau roman crée l'événement en cette rentrée de janvier. Bonsoir Daniel Pénac. Bonsoir. Je vous vois déjà plongé, mon cher Daniel, <laughs> dans l'un des livres qui constellent cette table à vous destinée. Quel plaisir de vous retrouver. La tentation est grande. Hein. Mais je suis tombé sur, euh, sur, sur le Pessoa, le livre de l'intranquillité. Et en l'ouvrant n'importe où, n'importe où, oui. on trouve quelque chose qui vous comble, euh, qui peut être d'ailleurs parfaitement contradictoire avec ce qu'il a écrit 100 pages avant. C'est une... une merveille. Bon, pardon. Alors, pouvoir de la lecture euh, des livres, lorsqu'ils sont là, euh, face à nous, on pioche et puis on tombe dedans. Et c'est un petit peu ce qui vous est arrivé. On va revenir, si vous voulez bien, Daniel, sur votre parcours d'écrivain, sur les héros de papier qui constellent votre œuvre désormais abondante, mais surtout l'un d'entre eux, car enfin, enfin, il est de retour. <laughs> Benjamin Malocène, et avec lui toute la tribu, la tribu des Malocène. Alors, petit rappel, car on sort d'un silence de presque 20 ans. Petit rappel, la saga Malocène, ce sont six romans publiés entre 1985 et 1999 vendus à plus de 5, ,5 millions d'exemplaires traduits dans une vingtaine de langues nous les retrouvons donc les malossènes pour ceux d'entre vous qui auraient la chance je dis bien la chance de ne pas encore avoir lu cette saga cette émission est faite pour vous vous allez découvrir une des familles les plus truculentes de la littérature française euh, tout au long de cette émission je vous réserve daniel pénac de très nombreuses surprises des écrivains vont venir nous rejoindre des écrivains que vous admirez mais aussi des artistes que vous connaissez ou pas je laisse à daniel pénac je vous laisse la joie de découvrir ce que nos téléspectateurs voient actuellement apparaître sur leur écran mais j'aimerais j'aimerais que nous parlions d'abord de celui qui est le champion du monde des boucs émissaires le loser magnifique benjamin malocène de retour dans un roman très enlevé un polar canular un peu anard qui brocarde les parachutes dorés de la haute finance, la littérature embourbée dans la vérité vraie. Le cas Malocène vient de paraître aux éditions Gallimard. Tome 1, intitulé Ils m'ont menti. Oh, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, Daniel Pénac, de retrouver cette tribu, de revenir à ses amours, les malocènes C'est. C'est l'envie de retrouver l'écriture que j'avais mis au point pour les écrire à l'époque. Et qui était à moi complètement euh, nouvelle. J'ai décidé à un moment donné de ma vie, là dans ces années-là, 83, de poser mes valises culturelles, mmh. de rompre avec mes références et de décrire. Euh, – Comme euh, je ne savais pas que j'en avais envie, c'est-à-dire comme j'en avais profondément envie. Et c'est ce qui s'est passé avec les malocène – C'est-à-dire que vous avez effectivement créé un style, un ton, ouais. un ton Pénat qui n'a pas grand-chose à voir avec celui, euh, je ne sais pas moi, euh, de Chagrin d'école, de, de Comme un roman, Le dictateur et le hamac, et même des livres précédents. Euh, vous créez des mots, vous créez des verbes. Tiens, je vais en prendre un au hasard, parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Euh, ça se passe dans un cocktail ou un personnage se goinfre de petits fours. Alors évidemment, on pourrait dire, voilà, un personnage se goinfre de petits fours. Non, Daniel Pénac invente un verbe. Il petit fourrait. Du verbe petit fourré. Oui, c'est pas... Verbe transitif, pas... Pénacien, <laughs> en diable. C'est pas... pas génial, mais c'est venu comme ça. Ah ben moi, j'aime beaucoup, et est tout, tout est comme fourré. ça. Hein. Euh, je me souviens que vous êtes entré dans le dictionnaire, Daniel Pénac, la même année qu'une expression... L'expression casse-couille. Oui. Alors, il n'y a pas de rapport de cause à effet, oui, 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 mais oui. l'usage de l'argot, l'usage de ces expressions, ça fait partie aussi du style malocène. Pas forcément du style pénac, mais du style malocène, non Oui, c'est vrai que les malocènes font feu de, de tous les argots. Euh, les argots professionnels, les argots familiaux, les argots plus, les mots que j'invente moi-même. C'est pas mal, l'argot. La, la, la mort de toutes nos langues vernaculaires. Ouais. A fait que les argots, qui sont un langage de dissimulation, sont nés absolument partout où les langues locales disparaissaient. Et ça a enrichi la langue française de façon incroyable. Mais quand vous dites ça, vous êtes dans une forme de provocation, Daniel Pellac, ou au contraire dans la certitude que les Malocènes n'auraient pas été aussi euh, puissants si vous n'aviez pas eu recours à cette langue, à cet argot Oui, je crois, et je crois que ça pose des problèmes aux traducteurs, à certains traducteurs... Ça, je veux bien vous croire. Euh, ...dans des pays où, où précisément, ces argots n'existent pas. En Italie, par exemple, j'ai une traductrice qui s'appelle Yasmina Melawa, qui est absolument géniale. Elle est incroyable. Et elle trouve, elle, des équivalents dans les autres langues italiennes. Quand j'ai un terme d'argot absolument traduisible, elle va chercher... Par exemple, la petite marchande de prose, qui n'est pas une expression argotique, elle avait trouvé, pour le traduire... Bon, la piccola vendedora de prose, ça n'a pas de sens. Mm. Et elle avait trouvé euh, la prosivendola, tirée de la marchande de poissons, qu'on appelle la marchande de poissons, c'est nommé. Et la prosivendola, c'est magnifique tout de suite. Et ça vient, et alors elle a pris des mots comme ça dans toutes les langues italiennes, à chaque fois qu'elle avait des difficultés avec mes fantaisies argotiques. Euh, cet argot, parfois, c'est aussi celui euh, du polar des années 50. Tantôt, tant, j'ai l'impression de retomber dans du Léo Mallet, du Michel Audiard, euh, de l'Alphonse Boudard. Oui, c'est un petit peu ça, euh, les malocènes, euh, Les Thibault rectifiés par euh, Michel Audiard D'entendre euh, Gabin dire à la fin de je ne sais quel film, oui, tu un très méchant qui souffre. <laughs> Et Gabin dit oui, bah oui, les bastos, c'est toujours plus facile à distribuer qu'à recevoir. <laughs> – Après l'avoir rectifié. <laughs> – l'avoir rectifié. <laughs> euh... Oui, oui, bien sûr, très, bah, je suis de ma génération, donc il y a tout, tout cet argot aussi monté des, de ces films-là, de, de, de ces films des années 60. – Alors voilà pour le style pénac malocène encore une fois, style très particulier. Et là, bon, je ne voudrais pas qu'on dévoile tout, Daniel Pénac, mais euh, qu'est devenu Benjamin Malhoussène, 17 ans après sa dernière aventure eh bien, il, il s'est... Euh, C'était un, 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 un être d'asphalte de, 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 et de gaz d'échappement. Et il est passé à la verdure un peu. Il, il, il passe de, de longs mois dans le vercor avec ouais. Julie. Il est tout aussi impuissant sur les événements qu'il l'était à l'époque. Il croit, l'imbécile, il croit... Que parce qu'il s'est retiré dans le verre-corps, il sera moins sollicité par les emmerdements. Hey. Mais c'est faux, c'est faux. Son destin de bouc émissaire le rattrapera où qu'il aille, quoi qu'il arrive. Et le retour à la terre n'y changera rien. Et le retour à la terre va aggraver les choses. Alors, on va pas en dévoiler davantage sur le cas. Benjamin Malocène. Mais évidemment, euh, il y avait autour de Benjamin Malocène la tribu, la tribu des gamins. Euh, il y en avait de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Euh, on les avait laissés. Attendez, laissez-moi me rappeler. Oh, il y en avait un qui devait avoir 7-8 ans, l'autre qui venait de naître, euh, un fils qui appelait son père vieux-père, oui, qui lui-même oui. se nommait Monsieur Malocène. Qu'est devenue cette joyeuse tribu que Benjamin Malocène appelle les petits cons Ils ont grandi ils ont grandi, et ils sont arrivés dans, 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 dans un monde qui n'a rigoureusement rien à voir avec celui de leurs parents. Euh, financiarisation, dématérialisation, euh, euh, cyberespace comme lieu de communication, rien à voir avec le monde des Malocènes. Et ils y font, ma foi, autant sinon plus de bêtises que n'en faisaient leurs parents dans les années 90, quoi. Ils sont, ils sont assez intenables. J'arrive pas à les tenir. Dans les années 90, alors justement, euh, les premiers malossènes étaient hébergés par la série Noire, dans les années 80, hein, pour être oui. précis. Je me souviens qu'Au bonheur des ogres était sorti dans la série Noire, chez Gallimard. Et puis, insensiblement, comme ça, on les a vus passer dans la série Blanche, on les a vu passer chez Folio, évidemment, avec les magnifiques couvertures, elles sont là, dessinées par Jacques Tardy. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous vous intéressez un petit peu moins au polar et davantage à la société qui vous entoure et qui vous environne non, il n'y a pas, y a pas une, une, une différence de genre euh, particulier Quand j'étais entré à la série noire, il s'est passé deux choses. Euh, Robert Soula, qui était directeur de la série noire, le jour où j'entre la série noire, il hein, y avait Christian Mounier qui parlait avec moi. Mais vous avez quand même conscience, il parlait comme ça. J'ai quand même conscience, mon pauvre garçon, vous êtes complètement cinglé. Et à ce moment-là passe Soula derrière, et je vois Mounier qui lui dit C'est Pénac. Soula Va à son bureau, ouvre le tiroir, sort un harmonica, il m'avait jamais vu. Sort un harmonica, il me dit, tu sais te servir de ça Je dis, je veux, oui. Fais voir, <laughs> m'envoie l'harmonica. Je lui joue la carmagnole, <laughs> il reprend son harmonica, il me dit, bienvenue au club. Et il ajoute 13 250. J'ai dit, 13 250 quoi ouais. Il dit, c'est le nombre d'exemplaires qu'on vend. Si tu dépasses, t'es lourdé. <laughs> Avec la fée carabine. Heureuse époque! <laughs> Avec la fée carabine, j'ai été lourdé et récupéré par Antoine Gallimard qui dit Ah bah, désolé, mais trop de bouquins dans la série noire, venaient dans la blanche. Ce qui me fournit la transition toute trouvée pour arriver au cœur de euh, ce nouveau Malocène Ils m'ont menti. Ah, mais ils m'ont menti. C'est pas du tout de vous, Daniel Pénac. C'est le titre d'un livre. Le livre d'un écrivain renommé par Benjamin malocène Alceste. Parle oui, c est, c est, oui, Ça dit tout du personnage. Ben, C'est son éditrice, la reine Zabot. C'est un écrivain spécialisé dans la vérité vraie. Ah, alors allons-y. La vérité vraie. Dogmatiquement. C'est-à-dire moi, je n'écris que sur la vérité. Il est absolument dogmatique. Et, et, et il sait. Et, et, et il, il, bien sûr. La vérité est vraie, qui évidemment sûr, suppose qu'on la... bousille des zingues à grands coups de tornade et de torpille, voilà. euh, sa propre famille. La vérité, c'est que euh, c'est que le, le, le sort que lui fait subir. Bon, en gros, c'est très rapide. D'ailleurs, sa famille. il euh, C'est un enfant adopté, auquel sa famille raconte l'histoire de parents idéaux, qui sont censés avoir été les siens. Mmh. Et puis un jour arrive Internet, il tape sur Internet et s'aperçoit que ces gens n'ont jamais existé. Ouais. Ni l'avenir. Ça le fout fou de rage, il est absolument fou de rage, et il se met à écrire contre la famille, qui immédiatement essaie de l'enterrer vivant, au sens propre, elle l'assassine. Mais Malocène, le boulot de Malocène aux éditions du Talion, c'est de protéger ses écrivains. Euh, les il, il vérités a... vraies, des conséquences de leurs livres qui sont toutes violentes. Il les a rebaptisés les VV, les vérités vraies. C'est la Reine Zabo. Ouais, C'est pas il mal ça. Elle les VV. Et alors, la Reine Zabot qui est donc l'éditrice, rien à voir évidemment avec Antoine Gallimard, qui est le patron non. des éditions du même nom. <laughs> non, la Reine Zabo donc a, a décidé d'aller euh, débaucher. Chez les autres éditeurs, tous les écrivains voilà. de vérité vraie. On retrouve quand même des gens euh, qu'on aime beaucoup dans cette émission, qui viennent souvent, je pense évidemment à Lionel Duroy, qui avait raconté euh, l'histoire de sa famille, parfois un peu à Alexandre Jardin, on pourrait penser aussi à Nierno, à Christine Angot, dans des genres différents. Euh, qui vous a inspiré, et qu'est-ce qui vous a inspiré C'est le symptôme de l'époque, ce sont des, des écrivains particuliers Ce n'est pas euh, un écrivain particulier, c'est le dogme. Celui qui incarne le dogme, celui qui est absolument convaincu, ce qui est le propre d'ailleurs de beaucoup euh, d'écrivains de vérité vraie, euh, ils sont absolument convaincus souvent d'incarner la littérature telle qu'elle doit être, c'est-à-dire devant rendre compte de la, de, de, de la vérité, point final. Et la reine Zabo dit deux, elle dit c'est le point commun qui les distingue radicalement les uns des autres. Ouais. Ils sont tous persuadés. Et Malocène, moi, ça, moi les dogmes m'amusent, parce qu'ils me font peur. Ils me font peur, hein. me font peur dans, la, dans, dans, dans la vie sociale, ils me font peur dans la vie politique. Et bon, dans, dans, dans la vie artistique, ils, ils m'amusent. Je suis toujours amusé par celui qui se prend pour sa propre statue. Mmh. Ça m'émeut. Et ça m'amuse. Et Benjamin aussi. Et finalement, il, son boulot consiste à protéger physiquement ces gens-là, qu'on qu veut assassiner, etc. Donc il en planque un dans le Vercors, dans la cabane à Dédé, au fond de la forêt, qui est une cabane qui existe, qui effectivement appartient à Dédé, et où je vais me planquer moi-même quand il y a trop de monde à la maison. Donc il le planque là, et petit à petit. Et alors lui déteste Malocène, Alcès, oui. déteste. Malocène, parce que dit quand je pense qu'un type pareil a été donné le modèle à, à un personnage de roman Malocène dans ses années 80, on pouvait pas y échapper. Malocène par si c'était la, euh, la, la coqueluche, de la littérature de, 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 de basse qualité. Enfin, bref, il est absolument remonté contre Malocène, mais je ne désespère pas que ces deux-là finissent par se rapprocher. Ah bah alors, euh, ne nous, nous dites rien, on a compris qu'il y aura un deuxième volume, euh, puisque c'est le premier, ils m'ont menti. Il ah, y a un autre dogme que euh, euh, vous égratignez au passage, de manière assez drôle et jouissive, c'est celui de la cohérence. Euh, la cohérence et oui. à tout prix, l'idée, en fait, finalement, que bah, euh, ce besoin de cohérence euh, pourrait peut-être être à l'origine... De pas mal d'erreurs judiciaires. Là, on bien parle sûr. pour euh, Jean-Marc Morandini pour Christophe Ondelat. Hein, regardez bien, on écoutez ce qu'il va vous exemples. dire. On peut donner des exemples très précis. C'est le, le, le divisionnaire Coudrier, qui est à la retraite, oui. dans un village qui d'ailleurs s'appelle Malocène, qui n'est pas celui du Ventoux, qui est à côté de Nice. Écrit un bouquin qui s'intitule Le cas Malocène. Malocène est un coupable. Tout indique que, si on s'en réfère à la stricte cohérence, Malocène est coupable de tout devant tous depuis toujours. Et Coudrier forme des générations de flics en disant ⁇ Faites attention à la cohérence, ce type est l'innocence même oui. ⁇ Et pourtant, il vous paraîtra toujours le coupable parfait. Et c'est pareil dans la vie. Souvenez-vous, l'affaire, euh, c'est l'affaire Doutreau. Il y a quelques années, ma femme et moi nous trouvions devant la télévision et alors, on nous annonce l'affaire Doutreau. De quoi s'agit-il Un couple de gens mmh. pas fréquentables euh, semble faire des choses. Absolument pas loable avec leurs enfants et en faire profiter d'autres personnes. Très bien. Euh, un certain nombre de gens sont mis en accusation. Une dizaine, une douzaine. Et nous regardons ça, ma femme et moi. L'un, il y avait un huissier, il y avait un boulanger, il y avait un prêtre, il y avait ceci et cela. Et puis on regarde ça et tout d'un coup je dis à ma femme, je dis Mais attends, ce boulanger avait des raisons particulière de fréquenter des boulangers, venait livrer du pain. Cet huissier avait des raisons professionnelles précises pour fréquenter cette maison. Euh, cette assistante sociale, ce curé, etc. Et la question se pose immédiatement, mmh. statistiquement, combien de chances y a-t-il pour que tous ces gens qui ont une raison précise, professionnelle, de fréquenter cet endroit-là, soient pédophiles Aucune. Ou alors... L'affaire est une monstruosité statistique extraordinaire. Mais ça a semblé à l'instruction cohérent. Et ils sont tous allés en prison. Cette pour première... être ensuite, pour la plupart d'entre eux, évidemment... C'est donc au nom de la cohérence que parfois on érige un dogme qui est celui dans la police euh, du parfait coupable, oui. aussi en littérature. Oui, au nom de la cohérence, oui, oui, celui oui, du mensonge, sûr. celui à de la vérité vraie. À, à tous donné. les stades de l'instruction, de la gendarmerie en passant par la, ju euh, par, par, par la police judiciaire, jusque euh, les experts, les experts psychiatriques, mmh. etc., ont besoin, chacun à leur niveau, de produire un récit cohérent. L'addition de ces cohérences fait qu'on vous fabrique. Un bunel coupable, eh oui. alors qu'il est parfaitement innocent. Mais vous faites bien de le dire que je suis parfaitement innocent. Je vous <laughs> ça peut préparé, vous servir. Je vous ai même préparé des, des surprises, de manière innocente, évidemment. <laughs> oui, le genre. On va poursuivre cette conversation, Daniel Pénac, autour du cas euh, parce qu'il y a énormément de portes d'entrée. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce, dans ce roman. Il y a des choses sombres, et puis il y a évidemment des passages euh, drôles, truculents, parfois très comique, je me suis surpris à hurler de rire même, mais on va en parler tout à l'heure, car j'aimerais maintenant, justement, innocence même, vous proposer d'accueillir quelqu'un que vous aimez bien et qui vous le rend parfaitement bien. C'est quelqu'un qui est un peu votre antithèse, parce que voyez-vous, j'avais envie d'inviter ce soir des écrivains que vous admirez. Lui, il est euh, écrivain, puisqu'il a publié des biographies, mais il est surtout surtout compositeur. Il est entré, figurez-vous, à l'âge de 14 ans au Conservatoire, et il en est sorti avec huit premiers prix, dont le premier prix d'improvisation au piano. C'est précisément cette improvisation au piano qu'il va nous faire partager ainsi que son goût pour la lecture. J'accueille tout de suite Carole Beffa. Oh. <laughs> Carole Beffa. Bonsoir Carole Beffa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation, cette euh, surprise à Daniel Pénac. Alors, c'est une surprise qui peut-être n'en est pas une totalement, car vous avez déjà euh, travaillé ensemble, euh, notamment pour euh, ce magnifique album Jeunesse, L'œil du loup. L'œil du loup, au départ, c'est un conte écrit par Daniel Pénac, et à l'arrivée, ça donne euh, un conte mis en musique par un compositeur. Je disais tout à l'heure. Pas n'importe quel compositeur, parce que vous aviez, on s'en souvient, il y a quatre ans, remporté la victoire de la musique, du meilleur compositeur. Vous écrivez euh, des opéras, des concertos. Et puis vous travaillez également comme ça avec les écrivains. Quel est votre rapport, Carole Beffa, à la lecture Vous qui avez accompagné Daniel Pénac, mais aussi, je me souviens, Tony Morrison, la prix Nobel Tout de fait. littérature. J'adore accompagner des, des lectures à haute voix, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. On va d'ailleurs le faire prochainement avec Daniel. Euh, – Mon rapport à la littérature, c'est que je lis à peu près de tout, et depuis que j'ai des amis qui écrivent des livres, ben je me sens un peu obligé, et c'est un plaisir de les lire, donc euh, voilà, je passe de plus en plus de temps à lire, et euh, je lis notamment les livres de Daniel, euh, je l'ai évidemment lu alors que… On ne se connaissait pas du tout. Je crois que le premier livre de Daniel que j'ai lu, c'était comme un roman. Oui. Euh, et qui euh, m'a enseigné cette chose importante parmi les, les droits du lecteur, c'est le droit de ne pas terminer un livre et, <laughs> et le droit de le relire, qui sont des choses absolument essentielles, je crois. Vous maintenez, euh, Daniel, comme un roman, immense succès, populaire, et surtout, mais alors quel bonheur, pardon, hein, vous disiez en, en, en ouverture de ce livre. On est prié, je vous supplie, de ne pas utiliser ces pages comme instrument de torture pédagogique. Je ne voudrais pas faire ça. Enfin, rappeler quand même le plaisir que tout le monde peut prendre à relire comme un roman. Est-ce que vous maintenez les dix droits possibles ah, oui, oui. du lecteur J'en je, voudrais un onzième. Lequel Un dernier, qui, qui est le, le droit de s'endormir sur une lecture qu'on adore. C'est un, un sommeil incroyable, vous, 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 vous résistez, je fais ça en ce moment avec un des tomes d'Elena Ferrante, je résiste, je résiste, je résiste, puis évidemment, évidemment le sommeil a raison, et c'est un merveilleux endormissement, mais le livre qu'on n'aime pas, celui qui vous barbe. L'une des raisons pour lesquelles, euh, Carole Beffa, je vous ai demandé de venir ce soir, c'est que vous avez publié euh, l'année dernière un livre que je trouve absolument passionnant. Ça s'appelle Les Coulisses de la création et vous l'avez publié avec euh, un de vos amis qui est mathématicien, c'est Cédric Villani. Cédric Villani, euh, médaille Fields c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel hein, de mathématiques, euh, et que nous avons reçu à plusieurs reprises sur ce plateau, lui aussi euh, passionné par la lecture. Il y a des choses incroyables dans, dans, dans ce livre de conversation, notamment... Cette question, mais que se passe-t-il dans la tête du créateur De temps en temps, j'aimerais bien être, vous savez, un neurochirurgien, et puis mettre le pénacle sous IRM et me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du pénacle lorsqu'il écrit euh, Est-ce que vous savez répondre, vous, Cédric Villani euh, En fait. Je vous appelle Cédric Villani, non, mais, Carole Befa Oui, oui c'est le propre des livres écrits à quatre mains, c'est qu'on ne sait plus après qui a écrit quoi. Euh, j'ai essayé, par les conversations que j'ai eues avec Daniel, d'avoir un petit peu, non pas ses recettes, mais, mais, mais ses secrets sur la question. Est-ce qu'il euh, a des, des moments privilégiés pour écrire Est-ce qu'il a des rites euh, Est-ce qu'il y a des moments où euh, bah, il a un tout petit peu l'angoisse de la page blanche Toutes choses qu'on aborde euh, dans ce livre, avec la question à la fois de la mathématique et, et de la musique, mais c'est une question qui vaut pour toute la création. C'est pour ça que nous avons essayé de faire en sorte que ce livre… Euh, ne s'adresse pas simplement à des amateurs de musique, pas simplement non. à des amateurs de mathématiques, mais à quiconque. Ah, c'est vraiment pour tout public. Exactement. Euh, il se passe quoi dans votre tête, Daniel, lorsque, par exemple, vous vous dites, tiens, je sens une scène, je commence à écrire, je me mets à mon bureau, d'abord écrivez-vous à la main, écrivez-vous sur clavier. Quelquefois, je dis, j'ai mis 5 ans à écrire ce foutu bouquin. Quand je dis ça, il faut comprendre que j'ai mis 4 ans à ne pas l'écrire. Ouais. Le doute. Alors évidemment, on, de temps en temps, nous déjeunons avec Carole, qui me dit alors où en es-tu Je dis je n'y suis plus. c'est L'essentiel, le, c'est quand même euh, le doute. Et de temps en temps, euh, des moments de comment dire de construction instinctive comme ça. Instinctive. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se met presque automatiquement en, en place, probablement pour y avoir pensé pendant les périodes de doute. Et tout d'un coup, ça se, ça se débloque, ça se débouche. Et alors, pour les rituels, je n'en ai aucun. Quand j'écris, j'écris. Et quand je n'écris pas, je n'écris pas. Et quand j'écris, je peux écrire n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. Quand ça va même très très très, 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 très bien, je ne sors même pas de mon lit. Je ne bouge pas. Je prends tout de suite un, un plateau et puis tic, 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 tic. J'écris. Et quand je n'écris pas, alors je m'invente des rituels. Quand j'étais jeune, je, je, je rêvais crétinement du bureau. Je voulais un beau bureau. Alors je me le suis fait, mon beau bureau. Ouais. Il ne sert, sert à rien, rien qu'à faire de l'administration. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il ouais. n'y a rien à faire. Et, et alors, un compositeur, Carole Beffa, parce que c'est votre métier, mmh. euh, entre autres, euh, comment ça invente euh, on a le, les mêmes difficultés. Au lit comme Daniel euh, Au lit oui, sauf que de temps en temps quand même j'ai besoin d'un piano. Euh, pas forcément parce que les idées me viendraient au piano, mais parce que pour contrôler des harmonies, pour euh, être sûr que ce qu'on écrit est bien, ce que l'on a intérieurement, le piano est un, un outil précieux. Mais euh, de temps en temps c'est au lit parce que vous vous endormez sur une idée. Ou plutôt sur une absence d'idée, sur un problème que vous posez, un problème d'ordre musical, compositionnel, on va ouais. dire. Et puis euh, ça c'est vraiment miraculeux, mais parfois ça se produit. Au réveil, il vous semble que vous avez une idée. Je ne sais pas si c'est une chose que, que Daniel a, a ressenti s'agissant de questions de construction, de, de, de personnages ou je ne sais. Mais il peut arriver, en tout cas, et je sais que pour d'autres compositeurs c'est parfois le cas. Et c'était le cas pour Cédric Villani euh, quand il était euh, en panne sur une démonstration, que la nuit porte conseil. Alors euh, les gens depuis tout à l'heure doivent se dire mais pour quelle raison Carole Beffa s'est-il installé à droite de Daniel Pennac derrière un piano. Euh, la raison est très simple, c'est que en lisant les coulisses de la création on découvre à quel point l'improvisation euh, Carole Beffa, est euh, centrale dans votre vie, dans votre vie de compositeur, dans votre vie d'enseignant. Question de plaisir, sûrement, mais l'improvisation, on se demande ce que ça peut être. Je trouve que moi, j'ai eu la chance, un jour, de vous voir faire. C'est impressionnant. J'aimerais qu'on donne une petite euh, démonstration à ceux qui nous regardent ce soir, parce que euh, c'est de la littérature, quelque part. Hein. On pourrait dire que peut-être le solfège est à la musique ce que la grammaire est à, à la littérature. Euh, l'improvisation, c'est quoi, Carole Beffa Il fallait la, la définir, c'est la création dans l'instant. Donc si je dis un mot, vous pouvez le mettre en musique comme ça sur 15-20 secondes Je peux essayer, en tout cas, oui. <laughs> le mot pénac. <laughs> Alors, pénac, euh, ben, je vais essayer d'utiliser le fait que, et c'est l'ancien professeur qui, qui va me dire si j'ai raison ou pas, euh, dans les lettres de l'alphabet, vous avez un certain nombre d'analogies avec les notes de musique. Donc, euh, ça va faire A, B, C, D, E, F, etc. Et puis, euh, l'avantage de. Les deux dernières lettres de pénac, c'est que c'est A et C, ça fait la et do. Et si je prends les premières, P E N N à nouveau, A C, donc quelque chose comme. Alors, on pourrait avoir un pénac euh, euh, un tout petit peu, euh, un tout petit peu triste. Okay. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait le personnage. Ouais, il va pas... avoir un pénacle un petit peu plus euh, classique, soucieux de, de polir ses phrases. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt... Euh... Là, rock, parce posé. que il y a un pénac également euh, un peu anard tout de même, hein, euh, <laughs> libertaire en tout cas. Alors je vous rappelle, pénac. un peu punk. Euh, en il punk, dit, ça fait... C'est joli d'avoir. Dorénavant, avant, je saurais que mon nom c'est Pam 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 Pam. Oui, euh, Daniel a un, un nom de famille très très musical. Euh, un peu plus punk. <laughs> absolument fascinant, c'est qu'en réalité, ce sont les lettres de l'alphabet qui servent à, à, à faire de la musique. J'ai codé Pénac. Vous avez codé Pénac, ouais. pas, mal. pas mal. Donc maintenant. Quand tu m'appelleras, tu vas... On peut programmer ta sonnerie pour que ça fasse <laughs> On ça, peut programmer. Ouais. Je veux une sonnerie de mon téléphone portable. <laughs> Mais alors, euh, Carole Beffa, vous avez euh, publié, évidemment, votre leçon inaugurale au, au Collège de France, euh, puisque vous avez occupé la chaire de création artistique il y a euh, deux, trois ans. Euh, cette leçon est assez passionnante. Elle s'intitule « Comment parler de musique ?». En réalité, parler de musique, c'est parler de lecture, c'est parler de littérature. Quand vous lisez, par exemple, un roman... Vous avez les notes Non, c'est plutôt l'inverse qui se produit éventuellement. Ah bon euh, Il peut arriver que quand on écoute de la musique, pas seulement de la musique vocale bien sûr, mais de la musique purement instrumentale, il y a éventuellement une narration imaginaire qui se met en place. Euh, c'est d'ailleurs souvent le cas des, des musiques qui ont un, un discours intérieur qui n'est pas forcément lié à un, un discours littéraire. Ça, ça, ça vous raconte quelque chose à vous, mmh. qui ne sera pas forcément ce que ça racontera à votre voisin. Euh, la difficulté quand on veut parler de musique, c'est de faire en sorte que le sentiment assez subjectif qu'on peut avoir du sens qui est dans cette musique que vous entendiez soit également suffisamment généralisable, suffisamment universalisable pour que vous puissiez en parler et que ça dise quelque chose aux autres. Euh, mais euh, oui, on peut parler de musique euh, en, en repérant, comme en littérature, des phrases, des incises, des effets de reprise, euh, des, des anaphores, c'est-à-dire des répétitions des mêmes choses. La plupart des figures de style qu'on trouve en littérature, elles ont leur équivalent en, en musique. C'est ça vaut pour la plupart. Donc, une phrase musicale, c'est pas simplement euh, une façon un petit peu élégante de définir une très jolie phrase, une phrase qui nous plaît, qui résonne bien dans un livre de Daniel Pénac. Alors, il y a une autre chose qui peut se produire aussi, c'est si vous lisez un livre, euh, ça a été le cas s'agissant des livres de Daniel, quand j'ai lu euh, un de ses meilleurs livres à mon avis, qui est le Journal d'un corps, euh, parce qu'on a affaire à une voix dont on ne sait pas trop si c'est celle de l'auteur, du narrateur. Euh, imaginaire oui. ou d'un des personnages, on est un tout petit peu dans une euh, narration d'un type polyphonique. C'est-à-dire qu'on a vraiment une superposition de plusieurs voix narratives et, euh, et ça fait une écriture qu'on qu qualifierait de, de contrapuntique. Vous avez vraiment cette superposition qui fait que la lecture se trouve enrichie par euh, souvent plusieurs euh, niveaux de sens et, et, et je pense que pour beaucoup de textes réussis, c'est ce qui se produit. Une grande question à hein, traverse ce livre, Les coulisses de la création, dialogue donc avec Cédric Villani, mais que j'aimerais poursuivre entre vous, Carole Beffa, et Daniel Pénac. C'est la question de savoir si la liberté créatrice a besoin de contraintes. Euh, quelle est votre réponse, Daniel Pénac Les scènes y a-t-il des contraintes lorsque vous vous réattelez à cette série Il y a deux types de contraintes. Il y a, <coughs> Il y a celle dont je me libère oui. en posant mes valises référentielles avant. D'entrer dans le livre, qui peuvent être des références stylistiques rabattues. Donc ce n'est plus non, les contraintes, ça sont plus... Parce que j'y ai renoncé. Euh, la contrainte de bien écrire, si mm. le bien écrire. Donc, je renonce déjà à ces contraintes. Et puis il y a celles que je m'impose, qui, dans les Malocènes, sont un peu oulipiennes. Il y a des, des, des euh, parcours absolument inévitables. Il faut qu'à euh, chaque fois qu'un personnage meurt, un autre naisse. Ce qui est idiot, hein. Mais euh, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait euh, des, 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 du, point, du point de vue du, des repères euh, toujours euh, identiques du point de vue de l'évolution euh, de, de, de l'histoire donc je me force à passer par des endroits où je n'aurais théoriquement pas je n'ai pas il y a pas de nécessité romanesque je moi tout de même que vous prenez du plaisir parce que tel que oui, vous l'écrivez oui, ça, ça ressemble aussi un peu à un chemin de croix pas non parce qu'il n'y en a pas tant que ça d'accord il n'y en a pas tant que ça non non puis, là, et ensuite, il y a les, les contraintes à l'intérieur même euh, de la phrase, où par exemple, quand un nom propre apparaît euh, pour la première fois, euh, il est absolument tributaire de la sonorité de la phrase. Mmh. Ah. Et vous pouvez le chercher très longtemps pour qu'il sonne juste à l'intérieur de cette phrase et à cet endroit-là. Vous pouvez le chercher très longtemps, vous pouvez le chercher plusieurs semaines. Comment s'appelle ce type Qu'est-ce qui me manque Quel est... Le, quel est le, 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 le son qui ici, le rythme qui ici, me manque. Et ça, ça je, je peux euh, trouver euh, le nom d'un personnage secondaire qui se trouve dans le premier tiers du livre quand j'arrive à la fin. Il, il part en musicien finalement, le son. Fait. Il cherche le son manquant dans la réalité. – Oui, oui. Non, 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 non. oui particulièrement dans les noms propres, oui. Certains compositeurs, de la même façon, vont chercher pendant un certain temps, euh, pour caractériser un thème, le ou les instruments qui vont au mieux l'habiller de façon sonore. Euh, mais je, je me reconnais tout à fait dans ce que dit euh, Daniel, avec cette idée qu'en règle générale, ces contraintes vont être source d'expression, parce qu'au fur et à mesure euh, de l'écriture, on va avoir le sentiment qu'au lieu d'être euh, des pièges, euh, ils deviennent des mmh. béquilles et ensuite même des adjuvants, chose, des, des choses qui vont vous aider. Euh... – mais, mais alors, je vais prendre un exemple, parce que vous avez, vous le racontez dans le livre avec Cédric Villani, vous avez à un moment accepté une commande, mmh. je crois que c'était un concerto pour 10 saxophones. Euh, – C'était une œuvre pour 10 saxophones. Ouais. – Et ouais. vous dites, je ne connaissais absolument rien au saxophones. – Pas tout à fait, j'en je, ai fait enfant, mais il a fallu quand même que je, que je me… – Ah oui, il joue, il joue d'un nombre d'instruments effarants. Ouais, – Combien d'instruments ?– Non, je ne connaissais rien au nostal... saxophone. Tous les instruments. Ah oui, tout. Non, pas oui. Du tout non, non. <laughs> Donc, je connais un peu le fonctionnement de, de, des instruments comme il faut pour qu'on écrit pour orchestre, mais je n'ai pas fait de saxophone depuis mes, mes 11 ans. Il doit être dans un étui euh, depuis ce temps-là. Mais il a fallu effectivement que j'aille voir des saxophonistes qui m'expliquent me, euh, à nouveau, qui me ouais. comment ça marchait, et quelles étaient les particularités. Ci, ci. Euh, ça, ça vaut pour tous les instruments. C'est-à-dire que plus votre connaissance... Euh, sur un instrument n'est pas simplement livresque, mais euh, touche vraiment à, à, à quelque chose d'intime, plus vous allez être à l'aise quand il faudra écrire pour un, un instrument, et à, à plus forte raison quand il va falloir les combiner avec d'autres. Alors vous, en l'occurrence, vous avez une particularité, Carole, Beffa, c'est que vous aimez euh, travailler sur commande. Oui. Euh, je ne sais pas si l'écrivain, lui, euh, aime ça, la, la commande. Euh, si votre éditeur, la, la reine Zabot, en l'occurrence, de Daniel Penac, lui disait, tu dois... Tu dois, Daniel, revenir au Malocène. Est-ce que vous l'auriez aussi bien pris que Carole Beffa quand on lui propose ou quand on lui commande euh, une œuvre pour saxophone J'ai fait deux commandes dans ma vie. Euh, J'ai répondu à un désir de Claude Perdriel qui voulait, un petit, il voulait absolument un Malocène sur Thérèse. La, 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 la la dernière sœur de, de, de la famille, et je lui ai écrit, il était tellement enthousiaste, je lui ai écrit un petit roman sur Thérèse. Première commande. Et la deuxième commande, c'est l'année dernière, c'est un texte sur les réfugiés, euh, qu'un euh, voilà, que, que, qu 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 ensemble d'éditeurs pour euh, la jeunesse m'a demandé d'écrire au, au bénéfice de d'une œuvre pour les réfugiés. Est-ce qu'on écrit justement ou est-ce qu'on compose de la même manière pour la jeunesse Je reviens à l'œil du loup, qui non. est alors cet album, un livre-album avec évidemment le CD à l'intérieur de, de votre composition. Euh, comment ça se passe une composition mais là, pour là, la il, jeunesse Il y a une contrainte qui était euh, tout simplement le texte écrit par Daniel. En l'occurrence, euh, dans une version légèrement écourtée par rapport à, au texte original, mais euh, Enfin, ça, ça a été fait avec son assentiment. Et je dois dire que ce qui était très agréable lors de la composition, c'est que j'avais à disposition la voix de Daniel Pénac, lisant son propre. Le récitant. Et ce qui me donnait à la fois des, des balises, euh, on va dire, de, temporelles. Je pouvais savoir combien de temps il allait falloir que je, je compose euh, sous sa voix, ou sur sa voix de temps en temps. Et puis euh, surtout, c est, c est, ça m'accompagnait. Et pour une activité très solitaire qu'est la composition, c'était bien d'avoir comme oui. ça un, un compagnon de, de travail. Alors euh, on apprend dans ce livre également que contrairement à Daniel Pénac, qui lui n'a pas de rituel, euh, vous vous avez sinon un rituel, du moins un fétiche, le gaffophone. Ainsi euh... nommé en hommage au plus grand des gaffeurs, évidemment, <laughs> littéraire, Gaston Lagaffe. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'un gaffophone Il se de, de ben, trouve que j'ai dans, dans mon bureau à l'école normale supérieure un désordre indescriptible. Euh, et on a l'impression que sort euh, de façon presque providentielle de, de la montagne de papier qui s'accumule euh, un instrument qui est un, un piano numérique, à peu près comme celui-là, et qui permet de, de m'y retrouver. C'est mon gaffophone à moi et ce qui, euh, qui m'accompagne aussi. Alors les coulisses de la création, dialogue à bâton rompu, passionnant et alors accessible vraiment à tout le monde parce que ce sont les questions que nous nous posons tous sur ces métiers qui parfois peuvent nous sembler un petit peu abscons à nous autres profanes et au contraire on plonge mais vraiment avec délice, Daniel, euh, oui, oui, oui. dans ces euh, fameuses coulisses de la création. Et ce serait formidable d'ailleurs que ça se poursuive avec les poètes et avec euh, les romanciers. Je vous propose justement d'écouter Cédric Villani répondre à cette question. Enfin, qu'est-ce que c'est que les maths À quoi ça sert Et puis surtout... Que se passe-t-il dans votre tête à vous, médaille Field, c'est-à-dire prix Nobel euh, de mathématiques Que se passe-t-il lorsque vous inventez, lorsque vous créez, lorsque vous faites des mathématiques Regardez, c'était la grande librairie il y a cinq ans maintenant. On commence par, il faut du courage, par se plonger dans l'inconnu. Un problème, un problème dans lequel vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous vous retrouvez dans le noir complet, vous savez pas. Vous êtes comme un alpiniste qui aurait les, les, les yeux bandés et qui cherche les prises à tâtons, il ne sait mmh. pas sur quoi il va pouvoir s'appuyer. Puis vient le moment où vous sentez que vous êtes sur le point de trouver. Ça, c'est le meilleur moment. Des fois, ça ne se concrétise pas. Et quand ça marche, là, après, souvent, tout vient d'un coup. C'est un processus qui s'accélère et c'est une phase d'exaltation. Mmh. Et comme souvent les phases d'exaltation, elles est suivi d'une petite déprime. Au contraire, vous minimisez l'importance que vous avez fait. Vous dites finalement, c'était tout bête. C'est un mélange très complexe où alternent les phases de recherche intense, méthodique, consciente, et les phases d'illumination spontanée. Où quelque chose se produit sans que vous compreniez quoi dans votre subconscient, quelque chose qui a été influencé par tout votre environnement, que ce soit les substances que vous consommez, ouais. comme le thé, la musique que vous écoutez, oui, je parle du thé, la musique que vous écoutez, les promenades que vous allez faire et ainsi de suite. Poincaré, vous parliez de Poincaré. Poincaré l'a très bien décrit, il a fait des textes grand public, à la fois simples et profonds, sur la découverte mathématique, où il montre bien cette alternance ouais. de phases de travail acharné et de phases où quelque chose se passe dans votre cerveau sans que vous compreniez quoi. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Eh bien poursuivons avec un petit peu de poésie. Dans ce monde de brutes, ça ferait plaisir peut-être à monsieur Malocène euh, Daniel de quitter son verre corps pour faire un petit détour. Je ne sais pas moi par exemple en montant sur Paris, il pourrait s'arrêter du côté du Creusot. Voici maintenant un poète dont je sais que vous êtes un fin connaisseur et un lecteur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais nous l'adorons dans cette émission. J'accueille tout de suite Christian Bobin. Oh. Christian Bobin. Oh. Ça, ce sont d'authentiques surprises. Je ne savais <laughs> rien Vraiment de rien. Mais j'en suis très heureux oh. parce que euh, figurez-vous que j'ai appelé Christian Bobin parce que j'avais entendu dans une émission de radio que l'un de vos remèdes à la mélancolie était la lecture d'un livre, personnellement que je porte, que je place très très haut. Le voici, ce livre. Une petite robe de fête, publiée en 1991, et Christian Bobin, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Là aussi, quelle chance vous avez, poète, écrivain discret, auteur de livres merveilleux comme La plus que vive, Le très bas, Les ruines du ciel, L'homme joie, quel titre Et puis donc une petite robe de fête. Tout livre disponible en poche chez Folio. Que représente-t-il, Daniel Penac, ce livre de Christian Bobin pour vous Ah, la, la préface d'une petite robe de fête a été pour moi un émerveillement absolu mais absolu je venais d'écrire euh, 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 <laughs> un roman <laughs> non, non, non 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 comme un roman je venais d'écrire comme un roman je ne connaissais pas l'existence de christian je quelques semaines après la sortie du bouquin je rentre chez moi nous avions déménagé bordel terrible il y avait des bouquins partout je range ma bibliothèque et je tombe sur une petite robe de fête inconnue. J'ouvre, en plus de ça, il m'était dédicacé. Je dis mince, ce type qui me dédicace son livre, je ne lui ai pas répondu. Et je lis la préface, qui est une préface sur la lecture. Oui. Lisant cette préface sur la lecture, quand je suis arrivé à la fin, je me dis Dieu merci, je n'ai pas lu cette préface avant d'avoir écrit comme un roman, sinon je n'aurais pas écrit comme un roman. De tout y était en cinq pages, là où j'ai mis 200 pages ou euh, 250 pages, tout y était avec peut-être, euh, oui, alors c'est une merveille, mais peut-être avec une ou deux euh, euh, différences également. Euh, en reprenant une petite robe de fête, euh, Christian Bobin euh, qui pose cette question comment parvient-on à la lecture Comment devient-on lecteur euh, Vous évoquez la prière, vous avez une très belle phrase pour dire à un moment que peut-être que la lecture est semblable à la prière, mais savons-nous prier Aujourd'hui, je dirais, euh, il, il m'est arrivé, Daniel, une chose euh, très, 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 très belle sortie d'un de tes livres. En venant ici dans un taxi, le, 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 le conducteur savait qu'il venait à la télévision, qu'il devait m'emmener cette, pour cette émission. Et il commence à me parler des livres et il me dit, euh, est-ce que... Euh, euh, Est-ce qu'on est, qu est bête, Monsieur si on ne lit pas Parce que moi, je, je voilà, et je lui, je lui ai dit qu'il y avait mille sources d'intelligence et que je connaissais des gens qui avaient des grandes grandes bibliothèques et qui étaient sots, qui étaient bêtes, et que je connaissais des gens illettrés, dont le cœur et la pensée et la pensée touchaient la vie, touchaient le diamant brut de la vie. Et on a parlé comme ça. Puis après, il s'est mis à me parler de ses de, de, de problèmes de, de conducteur, de taxi. Et tout d'un coup, il a cette phrase, et j'ai pensé qu'elle aurait pu être chez toi. Euh, j'ai des soucis, euh, j'ai des problèmes euh, d'argent, mais l'argent n'est pas, pas du tout dans ma pensée, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai des problèmes d'argent, mais l'argent n'a jamais été un problème, il n'est pas dans ma vie. J'ai pensé, mmh. pensé que ça aurait pu être dans un de tes livres. La lecture, je, je dirais aujourd'hui que la lecture... Euh, que, comment, comment, je, comment je le dirais Comment je le formulerais aujourd'hui euh, Parce que c'est une histoire d'amour, donc il y a dix mille mmh. et une façons de définir l'amour, et, 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 et chacune de ces définitions font qu'il vous échappe, de toute façon, et c'est tant mieux. Euh, je dirais que la lecture, c'est... On peut... On peut la comparer, si vous me permettez, étrangement à une peinture, à une peinture très précise, à la peinture, au travail que fait Pierre Soulage. Pierre Soulage, on sait ce que fait cet homme avec le noir. C'est un, un apiculteur du noir, c'est-à-dire de, de, de la ruche des ténèbres. Il sort des plaques comme ça, scintillantes. Et quand vous êtes devant, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois euh, dans des expositions, euh, vous n'êtes vous pas euh, devant un tableau. Je crois que c'est unique dans l'histoire de la peinture. Vous êtes devant une présence. Et en plus, cette présence vous regarde. Et une paix immense, incompréhensible en vient. Et c'est exactement ce que je sens d'un livre. Un livre qu'on aime, un vrai livre, ce n'est pas un livre qui nous parle, c'est un livre qui nous entend. Les livres heureux, mmh. je pense que Daniel serait d'accord avec ça, les, les livres heureux, les, les livres qui, qui nous brûlent le cœur. C'est ce dont on pourrait dire mais là, là dans ce, dans ce petit morceau de papier, dans ce bloc de papier, il y a quelqu'un qui m'a entendu, comme ma famille ne m'a jamais entendu, comme mes proches ne m'ont jamais écouté, comme personne au monde ne m'a jamais entendu. Un livre heureux est un livre qui sait nous entendre, une phrase qui sait nous entendre. C'est ce que je dirais aujourd'hui ce serait la définition de la définition non définition de ce soir. En préparant cette émission, Christian oui. Mbain, vous m'avez dit j'aimerais euh, j'aimerais faire un cadeau oui. à Daniel oui. et, et aux téléspectateurs aussi oui. venir avec ces fameux livres, oui. ceux dont vous venez de donner oui. une sublime définition, oui. des livres qui nous entendent, oui. qui nous comprennent mieux que j personne. J'aimerais imiter Daniel, imiter, pas caricaturer, parce que c'est quelqu'un qui a la... qui a une je lui demande de s'abstenir une seconde, qui a une générosité, c'est bon, extrême, extrême. Euh, il a donné un coup de de, de, comment dire, de force à un livre qui s'appelait Le Très Bas, qui, qui paraissait à peu près au même moment que mmh. La Petite Robe de Fête. J'étais dans une pièce noire, il a craqué une allumette. Voilà. Et après, des gens sont venus vers, vers, vers ce livre et vers mes livres, mmh. par la voix, par la puissance amoureuse de Daniel sur un de mes livres dont il vous a parlé tout à l'heure sur celui-là, et cette capacité que tu as de faire aimer ce que tu aimes, euh, j'essaye je, de l'avoir aussi, j'essaye de l'avoir aussi. Ce soir, je vous ai amené trois, trois, je voudrais parler de trois auteurs. Alors racontez-nous. Alors avec on... vous, je gage que ce sont des auteurs qui vont nous faire sortir un tout petit peu des sentiers battus. <laughs> on va on va en sortir un des sentiers battus, parce que le, le, le tout premier, il est, il est, si je puis dire, de ma maison, il est de chez Gallimard, il est d'autant plus de chez Gallimard qu'il était longtemps lecteur chez eux, c'est Jean Grosjean. Et Jean Grosjean, pour le définir euh, très simplement, euh, c'est quelqu'un. Le, bon, le, le religieux, aujourd'hui, c'est une cellule, c'est ce que pensent les gens, et ils ont raison de le penser. C'est une, une incarcération dans un dogme et dans des rites. Ils ont raison de le penser. Mais il faut ajouter que l'argent, c'est une cellule aussi. Et que l'instinct, la pulsion immédiate, c'est un emprisonnement aussi. Et pour sortir de tous ces emprisonnements, il n'y a rien de mieux que cet homme, que sa parole, son écriture très précise, très étrangement douce, et qui fait éclater toutes nos geôles. S'il fallait retenir allez, un livre, je vois d'ailleurs que ce sont des petits livres oui. et qui, qui se répondent, parce que Jean Grosjean fut un poète. Oui commentateur également euh, exégète de la Bible Oui, c'est ça, traducteur du Coran. Traducteur du Coran, traducteur oui, c'est vrai, il faut le signaler aussi. Grand connaisseur des poètes arabes, euh, grand connaisseur tout simplement de la vie. Si vous voulez, le, le, le fin fond de sa pensée et de son travail, c'est que le divin, ce qu'on appelle divin, proprement divin, c'est l'humain. C'est quand on arrive à être humain, c'est déjà divin. Quand on, quand on parvient à être humain, le face à face, le réel, le visage contre le visage, le risque, le danger d'une amitié, c'est ça le divin. Ce c'est pas, pas, pas les textes, ce pas les textes sacrés, ce pas les gros chandeliers, ce pas les grandes recommandations, ce n'est pas le, le dimanche où tout est plombé, ce n'est pas ça, ce pas ça du tout, ce n'est pas non plus la morale et encore moins le moralisme. Le divin, c'est la joie. De partager quelque chose avec un inconnu et la joie, peut-être même, de se heurter à l'inconnu. C'est l'étincelle de ce heur c'est ça le divin. Est-ce que c'est également le sacré Je vous pose la question, parce que dans Les coulisses de la création, ce, ce livre dont nous parlions tout à l'heure, juste oui. avant que vous arriviez, euh, Carole Beffa, à un moment, vous vous évoquez euh, peut-être ce qu'on pourrait appeler le déclin d'une certaine forme de composition, en disant voilà, 20e, 21e siècle, on n'a plus Bach et Mozart. Et vous semblez l'attribuer je rebondis, hein, Christian, oui, sur ce que vous semblez l'attribuer à euh, cette perte de transcendance, à cette perte de regard sur l'humain ou sur le sacré. Il y a, je pense, effectivement, euh, même pour des esprits euh, rationalistes que nous sommes, euh, Cédric Villani et moi, l'idée que dans le mystère de la création, il y a quelque chose qui ne peut pas probablement se résumer à des recettes, des équations, et il est possible que euh, la perte du sens du sacré, euh, je dirais pas de, de la religion, mais vraiment du sens du, du sacré au sens plus large, euh, contribue effectivement à euh, cette baisse tendancielle de, 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 du taux d'intensité artistique, pour paraphraser Marx. Euh, pour un, un compositeur que j'ai bien étudié, qui est Ligeti, Guy Ligeti, à qui j'ai consacré une biographie. Ligeti était quelqu'un qui était euh, agnostique, même s'il était de de religion euh, juive, euh, d'origine juive, et il a peut-être celui qui a écrit au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le plus beau des requiems. De même, mm. vous prenez forêt qui est l'auteur d'un des requiems les plus extraordinaires. Euh, des agnostique, il n'empêche que il a réussi probablement à saisir de façon assez mystérieuse euh, ce sens du sacré dans euh, la plupart de ses compositions religieuses. Mm. Vous me voyez venir. Est-ce que ça veut dire, Christian Bobin, que l'on peut être euh, agnostique et croire dans cet humain dont vous parliez avec le livre de Jean Grosjean, et puis dans ce sacré, euh, que j'arrive pas vraiment à définir dans, dans vos livres, mais je sais qu'il est là. Il est dans le regard que l'on porte sur les choses, dans un flocon de neige, dans une marguerite qui euh, pousse. Il y a de très belles anémones dans le dernier livre de Daniel. Oui, c'est vrai. Ouais. Que Benjamin Malocène ne veut pas laisser ouais. quand il doit remonter à Paris, il veut rester. Oui, oui. Il y a un très beau passage, page 171, sur les anémones. Alors, les anémones. Les roses oui, Les oui, oui, oui. Les roses oui. Mais c'est vrai qu'elle me désespère quand elle ne pousse pas. Il y a des années sans roses J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Oui. Robes de bal ou chemises de nuit avec leurs feuilles mitées, elles ont tout envahi, mais impériales guenilleuses. Mais oui, elles sont comme ça. Elles sont incroyables. Mmh. Elles sont d'une dignité absolument droite. Et quand vous les examinez de près, leur robe est trouée, mitée. Etc. Et là-haut, ça s'épanouit. Et en plus de ça, s'épanouit dans des couleurs absolument imprévisibles, qui vont du blanc le plus blanc au, au pourpre le plus noir. Et en transitant par du jaune qui n'a rien à faire là-dedans, euh, des bleutés très étranges. Elles sont inouïes et elles sont parfaitement incontrôlables. Alors, suivons le même chemin avec euh, les écrivains. Parce que je suis persuadé que les deux autres écrivains, oui. les deux autres livres, sont un oui. peu dans le même genre. On vient oui. de passer d'une couleur oui. très, très forte et qu'avez-vous d'autre Dans une toute autre couleur, peut-être alors, alors, je voudrais saluer ce soir deux, deux des auteurs euh, anciens et contemporains. On peut être du 7e siècle chinois et être aujourd'hui avec nous. Mais... Euh, les éditeurs d'abord. Les éditeurs, ça c'est l'éditeur qui s'appelle Harpo. Euh, c'est un éditeur à l'ancienne. Les, les, les pages sont, il faut les couper avec un ouais. avec un couteau. Et c'est un, c'est quelqu'un que je, je ne connais aucun de ces éditeurs per, en personne. Celui-ci s'est mis en tête euh, follement de publier toute l'œuvre d'Anna Akhmatova. C'est euh, magnifique. Vous aimez ça aussi, Daniel Les eu. pages qu'on Attendez, est-ce est que, est que les caméras d'Adrien Solan peuvent venir voilà, montrer D'abord, cette en version bilingue, avec un grammage superbe. Oui. On l'a en main, hein, le papier. Oui, oui. Et puis, effectivement, voilà, il va falloir euh, découper pour pouvoir découvrir. Oui. Pourquoi Anna Akmatova vous tient-elle bah, Anna Akmatova, dans un sens, c'est la. C'est la, la poésie même. C'est une amoureuse. C'est une femme amoureuse. n'est pas une pleureuse. C'est la femme amoureuse avec ce cœur de diamant, si vous voulez. C'est pas le sentiment qui fait la pointe de l'amour. C'est la, la saisie, c'est la pensée de tigre, le bond de tigre sur le réel. Mmh. Voyez, mmh. euh, quand bien même le tigre finirait par traverser le feu et y rester, c'est l'amoureuse altière. On, on, on se redresse quand on la lit. Et euh, juste une histoire sur elle, qui est emblématique comme une petite parabole de toute l'écriture, au fond, de toute écriture, quelle qu'elle soit. Euh, C'est une histoire vraie. Elle la met en tête de son poème qui s'appelle Requiem. Euh, C'est l'époque stalinienne. Son fils est en prison, comme beaucoup d'autres fils d'autres femmes, et, et, ou un de leurs frères, un de leurs maris. Et elle fait la queue, comme toutes ces femmes, devant une prison. Ah, dont, dont les pierres sont froides et immenses, devant une montagne de prison. Et c'est interminable. Et l'air est si froid que même les atomes sont, 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 se piquent, se glacent. Une femme dans la queue, dans la file d'attente, reconnaît la poétesse et se tourne vers elle et lui dit Et ça, vous sauriez l'écrire, vous sauriez le décrire La poétesse se retourne et la regarde et, avec un léger sourire, lui dit Oui. Et ce oui, pour moi, c'est la réponse, c'est le point de départ, c'est l'élan vital de toute littérature. Je vais dire le terrible pour consoler réellement. Je vais dire tout la merveille, le, les, les roses trémières et, et les balles qui ne touchent pas notre vrai cœur, même quand elles traversent celui de chair. Je vais tout dire en très, 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 très peu de mots. C'est ça, Anna Akhmatova. C'est ça. Est-ce que je peux lire quatre vers qui je vous en dans ce dans Avec ce livre plaisir. Dans les élégies. Dans les élégies. Oui. Les élégies du Nord. Euh, C'est du... Vous voyez, la, la fantaisie de l'éditeur change euh, à chaque fois le format, la mise en page. Toujours la, la courtoisie est donnée de, de donner le, le texte en russe. Et puis ici, quatre vers. Je ne pleurerai pas sur moi. Mais si je pouvais ne plus voir le poinçon d'or de l'échec marquer mon paisible front. C'est tout et c'est vraiment tout, en fait. Vous êtes venu également avec euh, des livres des éditions Moundaren, oui. euh, ah, Le oui. vieil homme qui n'en fait qu'à sa guise. C'est oui. un, oui. de... <laughs> un titre de roman pour Daniel Pénac. Ça pourrait être d'ailleurs un roman de Pénac. Juste... D'un mot, Christian, parce que. Euh, D'un mot, euh, Lou You. Lou You. Euh, C'est un... Plutôt Anshan. Allez, je, plutôt je, Anshan. Je vais prendre Oui, je vais, je vais, Anshan. Oui, ouais. je vais prendre Anshan. An, parce que je, Anshan je... ou Lu Yu Voilà. voilà. Anshan, ça s'appelle ?« Merveilleux, le chemin de Anshan » chez Mondaren. Mondaren s'est mis en tête, lui, euh, autre éditeur, de publier les poètes... Euh, les, les vagabonds célestes, les poètes ouais. de Chine et de Japon, les poètes zen. J'adore. Et si vous êtes euh, sombre... Si vous ne croyez plus en, en la vie qui pourtant reste toujours là à portée d'œil, et demain, eh bien, un de ces livres vous redonne tout. Euh, la couverture est splendide. Mm. La couverture, c'est comme une, une couleur de vieux cep comme ça dans la forêt, dans les sous-bois des libraires. Je vais vous lire juste un, un poème parce que c'est comme euh, les cerises au marché, il faut en goûter une pour voir. <laughs> Quand les gens voient Anshan, tous disent que c'est un cinglé. Son visage, on ne le distingue même pas. Son corps est mal fagoté dans un morceau de tissu. Je parle, ils ne comprennent rien. Ils parlent, je ne comprends rien. À ceux que je rencontre, je dis :« Essayez, venez à Anshan. » Et qu'est-ce qu'il dit, Anshan En fait, qu'on ne comprend pas. Il dit simplement que la vie, et il le dit avec la, avec la, la douceur d'un strelzy en fleur. Il dit que la vie, est, elle, elle, elle passe et que nous passons. Et que ce passage et cette mortalité, c'est la plus belle figure de l'éternel. Mmh. Et que tout est là, sauf nous, idiots que nous sommes. Eh oui. Voilà. Anshan shan Lou Yu, c'est aux éditions Mundaren. Euh, Christian Bobin, vous nous avez fait un autre cadeau. <coughs> eh oui. Vous nous avez conseillé une librairie. Une librairie euh, qui a ouvert ses portes il y a pas très longtemps à Autun. À quelques centaines de mètres d'une cathédrale endormie, il y a une corne d'abondance. Et c'est Inès de la Motte Saint-Pierre qui est partie à la rencontre de cette librairie superbe dont le nom suffit à dire l'amour des livres. La librairie s'appelle La Promesse de l'aube. Ce qu'il y a de plus intéressant et de plus beau pour un libraire, c'est de pouvoir se mettre un petit peu en danger et d'ouvrir des librairies là où on ne les attend pas. j'avais le désir de créer une librairie en milieu rural. Alors, on n'est pas tout à fait en milieu rural, ici, on est dans une ville de 13 000 habitants, mais on est quand même loin, on est quand même enclavé, le Morvan a toujours été enclavé. Et lorsque j'étais petit, j'ai vécu dans un village et il y avait très peu de librairies autour. Et j'ai toujours eu envie de, de créer une librairie dans un lieu où il n'y aurait pas forcément euh, de librairie comme celle-ci, c'est-à-dire une grande librairie. J'ai envie véritablement d'avoir un lieu qui, qui recelerait en lui, en son sein, tout le savoir du monde et que quelque part des personnes viendraient s'y abreuver et peut-être prendre un peu de ce savoir et que ça les aide aussi peut-être à vivre. Le livre qui a changé ma vie, c'est La Petite Lumière d'Antonio Moresco. J'ai été embarqué dès la magnifique première phrase. Je suis venu ici pour disparaître dans ce hameau désert et abandonné dont je suis le seul habitant. Je, je, c'est le narrateur, l'écrivain sans doute, euh, un homme qui euh, décide de s'isoler dans une maison euh, dans les Alpes italiennes et chaque nuit, il voit euh, s'allumer au fond de la vallée une petite lumière. Et il décide d'aller y voir de plus près, et il va faire la rencontre d'un enfant qui vit tout seul. Ce livre a changé ma vie parce que c'est une des plus belles évocations de l'enfance que je connaisse, parce que euh, on porte en soi son enfance jusqu'au bout, et que les meurtrissures, que les manques de l'enfance, nous accompagnent toute notre vie. Un livre qui change la vie, c'est un livre dont on ressort peut-être avec une connaissance plus, plus intime de ses gouffres intérieurs. Quel plaisir quand ce sont les écrivains qui, en se promenant en province, un peu partout en France, nous disent Ah, dites donc, vous devriez aller faire un tour ici. La promesse de l'aube, elle est pas belle, cette librairie. Et alors, il y a un choix, parce que ce livre, c'est vrai, Daniel Pénac, je me souviens que c'est vous. Qui me l'avait fait découvrir. C'est magnifique. Euh, par parenthèse, la librairie aussi. Ah oui <laughs> Parce que j'y bah suis oui. allé il y a quelques années et ils ont tous les ans un festival. C'est euh, magnifique. Euh, je crois d'ailleurs que la marraine du, de ce festival, vous la connaissez, c'est Patricia Martin. Je crois. Ah bah oui. Et c'est extraordinaire ce qu'ils font à Autun. Mmh. Quant à Antonio Moresco, voilà ça, par exemple, si j'avais eu si Christian euh, avant aujourd'hui, je ne savais pas qu'il viendrait, j'aurais offert le bouquin donc, de ce gaillard, Antonio Moresco, magnifique. Mais vous, la petite, lui offrir, si vous voulez. <laughs> la petite lumière, et les, et les deux suivants aussi. Mmh. Or, Moresco n'est pas, euh, pas tombé de la... c'est pas la dernière couvée. C'est un gars de ma génération qui n'a jamais été lu, qui a été refusé par tous les écrivains d'Italie, de France et de Navarre, par tous les, les éditeurs d'Italie, de France et de Navarre, jusqu'à ce que Verdier le, le, le prenne ici, et qui est venu, euh, qui est très surpris qu'on le célèbre, qu'on ils dise mais ce, ce que vous faites est magnifique. Il n'en revient encore pas alors que c'est l'homme d'une œuvre magnifique, extraordinairement concentré et tout à fait atypique. tout à fait. Son écriture ne ressemble à rien. Antonio Moresco. Alors, Daniel, vous défendez depuis longtemps le plaisir de la lecture à haute voix. Je vous propose donc de mettre ce soir vos pratiques, vos convictions euh, en pratique avec euh, bah, tout simplement un lecteur que nous allons accueillir tout de suite, un lecteur qui connaît bien votre univers puisqu'il a prêté sa voix à l'un de vos romans. Il a joué dans près de 80 films, 25 pièces de théâtre, sans compter les mises en scène qu'il a créées, et puis bien sûr les tours de chant. Voici Lambert Wilson. Ah <laughs> Lambert Wilson. Bonsoir Lambert. Bonsoir, bonsoir. nous nous sommes croisés, bonsoir. Alors Lambert bonsoir. Wilson, et eh oui évidemment, merci bien, merci bien d'être venu sûr. ce soir nous rendre visite, d'être venu partager votre passion pour la lecture. Vous êtes actuellement Lambert Wilson en tournée dans toute la France avec un spectacle, un spectacle qui s'intitule Wilson chante montant mm -hmm. euh, Mais si je vous ai proposé de venir euh, faire une surprise, nous rejoindre ce soir pour euh, évidemment fêter Daniel penax et pour le lire, vous aviez déjà lu... Euh, du euh, Daniel Pénac j'ai incarné, incarné. Vous l'avez incarné ou c'est ça Vous étiez la voix euh, de, dans le de, dessin de, animé d'Ernest. Ernest, Ernest de Célestine. Ça. Ernest qui va très loin parce que Ernest a eu un succès mondial. Ernest a marqué une génération. Euh, qui est toujours très impressionné quand il rencontre leur héros, l'ours ou la petite souris. C'est énorme l'impact d'Ernest et Célestine. J'ai adoré faire ça. Alors ça, c'était euh, la voix au cinéma. Mais je sais que Mais... vous êtes un lecteur également, mmh. que euh, euh, vous lisez énormément. Ah bah, que oui, la on... littérature contemporaine, étrangère, française, euh, vous, vous baigne. Un a... acteur se nourrit de mots. Forcément. En fait, le trésor pour nous, c'est d'avoir enfin accès aux livres. Parce que quand on a un peu de chance en tant qu'acteur et qu'on fait du cinéma, comme c'est mon cas, ou de la télévision, on lit beaucoup de scénarios. Or, rares sont les scénarios qui sont agréables à lire. Les scénarios, voilà, sont des sommes d'informations. C'est un peu un, un pensum de lire des scénarios qui vont ensuite devenir des œuvres importantes d'ailleurs. Mais ils euh, sont très rares, les scénarios qu'on peut considérer vraiment comme des, des, des œuvres fortes. Et donc, et donc le trésor pour les acteurs ou pour quiconque dans la vie, c'est ça. Et ça, ah, et on et parle C'est ça mais, le trésor. Ben, ben, ça oui, bien sûr. Livres. Alors en fait, moi j'ai une, une grande table chez moi où je, je, je reçois aussi des services de presse, j'achète sans arrêt, dès que je peux, des livres. Et j'adore prendre, mais presque sans regarder, comme ça, remplir mon sac de livres pour les voyages pour les, pour les, les, les surtout les voyages en train j'adore lire en train et surtout qu'on comprend beaucoup de choses de la vie quand on se déplace en train surtout parce qu'il faut voir du paysage et Alors... les mises en scène se, 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 peuvent être conçues véritablement ou en tout cas éclaircies euh, quand on est en, en train. – Alors vous êtes venu votre, avec votre exemplaire du Kamal parce que je vous ai dit… – Que j'ai adoré, dire, mais... je tiens à le dire, j'ai vraiment passé un moment merveilleux, j'étais en Afrique du Sud, je l'ai lu ouais. là-bas, et, euh, et j'ai adoré le lire ce, ce livre, parce que c'est sur plein de niveaux différents, et surtout après, à un moment donné, c'est ce qu'on dit en, en, en anglais, on appelle ça un, 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 un page turner, c'est-à-dire qu'on a, on, on, on a envie de, de tourner les pages rapidement pour savoir ce qui va se passer, surtout au moment de ce rap extraordinaire, et de, et de ce qui arrive à, à cette équipe de, de jeunes personnes. – Ah, pas, 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 on ne va pas oui, tout dévoiler, oui. parce qu'il y a un les suspense implacable, les tout de même, dans ce livre. Absolument. Alors, il y a, justement, dans le cas malocène euh, on disait tout à l'heure, des passages truculents, vous êtes oui. d'accord oui. Il y a des passages euh, comiques, puis Totalement. il y a des passages euh, sombres. Et il y a les tirades d'un personnage haut en couleur. C'est un ex-ministre, escroc notoire, <laughs> financier, spécialisé dans la liquidation des entreprises, il est enlevé, figurez-vous, le jour où il va toucher ses 22 millions d'euros de parachutes dorés. Il s'appelle Georges Lapietta. Alors, il est très bavard. Hein il est très supportablement bavard, tout le temps, toute la journée. Et alors, une fois enlevé, il se livre à un monologue à destination de ses ravisseurs. Monologue que nous offre maintenant Lambert Wilson. Une partie, parce que le monologue est un petit peu conséquent. Parce que vous imaginez que quelqu'un va lâcher un rond pour me faire libérer Qui une rançon Contre quoi Contre un lapieta tout vivant déboulant à nouveau dans leurs combines minables et leurs conseils d'administration véreux Je suis un casseur de vaisselle, moi. Les plus vieux squales de la finance en savent quelque chose. On lâche pas un copec pour un casseur de vaisselle. Trop content que vous les ayez débarrassés de moi. Vous allez faire la tournée des popotes, sans briques et on vous rend La lapieta. Vous aimez faire rire On vous filera le double pour me garder, ouais le triple pour m'étater la tronche, et encore plus si vous me restituez en boîte. Ma femme, peut-être ah, ah, ah. Vous comptez rançonner ma femme Faire chanter l'amour ah, ah. Alors là, mes chéris, l'amour. Vous allez en atteindre le sommet. <laughs> On est peu chanteurs dans la famille, euh, pas nés pour obéir à des maîtres, L'amour, c'est qu'elle ne paiera pas. La preuve absolue de l'amour, c'est qu'elle ne lâchera pas un flèche, parce qu'elle sait que je ne supporterai pas. Ça vous la coupe, hein <laughs> Ça donne matière à réflexion, j'admets. Enfin, pas à vous. Ce genre de sentiment ne peut pas germer dans votre genre de cervelle. Ça, c'est un petit passage. Il se trouve qu'il y a un personnage qui l'écoute, c'est le personnage hey. de, la, de la juge. Je fais juste un petit petite voilà description de, de son écoute, les yeux ouverts dans l'obscurité, la juge filtre les mots de cette voix. Peu importe le discours, elle est en quête de mots. L'aura-t-elle suffisamment entendu cette voix de galet roulant qui charrie les arguments comme autant de béliers, ce flot de convictions qui brise les résistances, entraîne les adhésions, suscite tous les espoirs, inspire toutes les craintes, ce Niagara ininterrompu que jamais ne ralentisse le doute, la plus petite peur, la moindre retenue, si bien qu'entre les oreilles de la juge Talverne ça roule, ça gronde, ça percute, c'est plus que torrentiel, c'est un barrage qui libère un océan. C'est ouvert depuis les premiers mots prononcés par cet homme dans la vie et ça ne tarira qu'avec son dernier souffle. La juge connaît si bien cette logorée, ses flots lui sont si familiers, elle l'a si souvent convoqué, Georges Lapieta. Elle s'est si souvent plantée dans ces eaux-là. Page <laughs> 193-194. En fait, du camal au scène. Alors, on est Daniel Penac, très exactement, avec la Pieta. C'est ça qui est formidable, c'est que tout à coup, on, on entend... Et alors, on, nous qui l'avons déjà lu, on se dit, mais en fait, voilà, c'est comme ça qu'il fallait le lire. Euh, ceux qui vous regardent et vous écoutent ce soir, Lambert, se disent, mais ça y est, le personnage est ici. Comment est-ce qu'on rentre dans la peau d'un personnage de papier en fait, On n'est pas dirigé, c'est vous qui décidez le de le problème, lire comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps et que... Je, la Pietà, il faut prendre plus de temps, en fait. Il, a, il, a, il se pose là, d'abord, en plus, parce qu'il il se sait... Euh, euh, il, il, il parle à ses ravisseurs, il ne les voit pas, il ne sait pas à qui il parle, et, et en fait, euh, je pense que cette logorée, elle, elle prend sa place. Donc là, donc pour les besoins de l'émission, j'ai un petit peu comprimé, j'ai voulu dire beaucoup de mots à la fois en très peu de temps. En fait, c'est une sorte d'instinct. Alors là, pour le coup, euh, c'est difficile à expliquer. Euh, j'ai passé un, un, un stade particulier dans ma vie, c'est que j'ai enregistré euh, Proust, notamment oui. euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. À partir du moment où on a enregistré Proust et qu'on a pu faire des phrases qui font euh, 15 lignes avec un, un verbe qui est placé euh, à la deuxième ligne et éventuellement son, euh, voilà, son, 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 son objet, son complément d'objet euh, 14 lignes plus tard, euh, je crois qu'après, on a une façon d'appréhender une, une, une page de littérature, ce qui fait qu'en fait, je... je j'ai l'impression que je peux prendre n'importe quoi et, 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 et ne pas éventuellement lui donner du sens, mais en tout cas donner l'illusion d'apporter du sens. C'est une façon d'improvisation C'est une on forme de prétention. Tout à avec Carole. Oui, surtout. <laughs> euh, en fait, c'est une. C'est ça naît de la jubilation absolue de la lecture des mots et, et aussi à, je prends ça à une, une forme d'expérience qui vous apporte du calme euh, et il y a peut-être une, une certaine virtuosité dans la dans la lecture c'est-à-dire vraiment la capacité à, à à ne pas être dyslexique ouais. ce, ce qui euh, M'est arrivé par exemple dans une lecture. Je, je lis très souvent. Euh, euh, récemment, par exemple, c'était lors de, de. Je lisais les, 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 les lettres de Turgenev à la cantatrice Pauline Viardot, avec une cantatrice formidable, avec qui on faisait le spectacle. Curieusement, en arrivant sur un mot, mon esprit ne pouvait plus le lire. Pourquoi Je ne savais plus, Je ne savais plus comment les, 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 on formait ces mots qui n'avaient que trois syllabes. Je ne savais pas. Et, et j'ai recommencé. Plusieurs fois, alors, ouais. j'ai eu une sorte d'incident cérébral, en fait, tout simplement. Il euh, y, a, y a une sorte de, de. On jongle avec les mots, et je trouve ça jubilatoire, parce que c'est une forme de virtuosité. Ça, j'adore ça. En revanche, Jubilation. je n'ai pas de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire Je n'ai pas de mémoire. Donc... Ça, je ne vous crois pas, une demi-seconde. J'ai très peu de mémoire, oui. J'ai la mémoire de la musique et je pense que d'une certaine ah. façon, la, la, la littérature, euh, c'est comme dans le jeu, on utilise les mêmes termes Mais au que dans la musique. Au théâtre également. J'ai joué rue, rue Blas 150 fois, je suis incapable de dire plus de deux mots, de deux phrases de la tirade célèbre "Bon appétit, messieurs". Non, non. Mais... Je, je, je... Ah oui, alors voilà. vous aussi, on vous on vous engage hein, pour le prochain coulisses de la création avec euh, oh. le poète et avec le romancier, parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe. Quand on est capable d'être sur scène avec de l'intensité tout en ayant si peu de mémoire. En fait, on a une mémoire Kleenex qu'on utilise très ouais. rapidement. J'apprends des textes très rapidement. Et j'utilise, puisqu'on a parlé de musique et je vous ai entendu magnifiquement en parler, on utilise dans le, dans le jargon des acteurs que des termes de musique, en fait, puisqu'on parle de dynamique, on parle de rythme, euh, euh, on parle de mélodie. On, on, on parle, euh, et en fait, c est, c est, c est, la musique, pour nous, elle se fait avec les mots. C'est pour ça que je pousse la, la, la volupté. Un peu plus loin en travaillant avec des orchestres et en étant récitant avec des orchestres. C'est ce que je préfère finalement le plus, c'est être responsable de la parole oui. euh, et en même temps être considéré comme un musicien parmi des musiciens. En l'occurrence, il y a beaucoup d'œuvres géniales qui sont faites avec des, avec des orchestres symphoniques. Euh, tous les grands compositeurs ont fait des œuvres pour, pour voix parler, euh, récitant, qui puissent lire la musique. Daniel Pénac, euh, cette lecture à, à haute voix, j'ai euh, hein, je crois. C'est <laughs> euh, tout à fait ça. Et, et l'incipit le, le, du roman, c'est une définition de la Pietà que l'homme vient juste d'incarner. Lisez la première phrase, vous verrez. La première phrase. La première phrase du livre, c'est l'incarnation. La piéta, Georges, tu le connais C'est le genre de type à se rouler dans la confidence comme un chien de ferme dans la fosse à Purin. <laughs> il en fout, il, ajoute, il en fout partout. En fout. Et exactement ce qu'il fait. Il est là, il, est, il, est, il a donc été enlevé, il est incarcéré par ces gens qu'il ne connaît pas, et il cherche à savoir qui a pu avoir le culot ouais. de lui faire ça. Et donc il y a un certain nombre de monologues et, et, et tous, les, évidemment, tous les gens auxquels il a eu affaire, les gens du Parce foot, les gens de l'industrie. De... Il fait leur fête ensuite, effectivement, aux syndicalistes, aux gens de la presse. Il, y a des, il y a des, voilà. Son monologue continue, il y a des morceaux encore de bravoure qui sont pas mal. Je voudrais, je voudrais vérifier cette histoire de mémoire, Lambert Wilson, parce que depuis que vous m'avez dit ça, ça m'intrigue. Sur scène, vous reprenez en ce moment des chansons d'Yves Montand. Oui, il y a Et, deux heures de spectacle, effectivement. Oui. Et entre les chansons, vous avez glissé comme ça un petit peu en contrebande des textes d'écrivains, des textes euh, de poètes. Un de poète, oui. notamment un texte de Nazim Hikmet. Oui. Nazim Hikmet, c'est un poète turc devenu polonais, poète marxiste, hein, qui avait été aussi une figure de l'exil, euh, martyr également. Texte euh, qui devrait plaire à Daniel Pénac, parce qu'il fait l'apologie du chant comme ça, de chic. Euh, ce oui, bien sûr. Nazim Ikmet. Euh, leurs chants sont plus beaux que les hommes, plus lourds d'espoir, plus tristes, plus durables. Plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée, jamais aux chants que j'avais chantés pour elle. Jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quelle que soit leur langue, j'ai toujours compris tous les chants. En ce monde, de tout ce que j'ai pu boire ou manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu... Voir et entendre de tout ce que j'ai pu toucher et comprendre, rien, rien ne m'a rendu jamais aussi heureux que les chants. Ah. <laughs> Ça, c'est un texte effectivement qui est dit dans le spectacle. Il y a, des, il y a de, beaucoup de textes de Georges Samprin, qui était son ami, aussi, bien entendu, ouais. et, et des textes aussi des poèmes de Cocteau, de Roger Vitrac, il, y a, des, il y a des... Baudelaire, je crois. Oui, Baudelaire, on le opéré. chante. Baudelaire, ouais. on chante les, 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 les bijoux, oui, bien sûr. Alors, euh, poursuivons, restez avec nous, euh, Lambert Wilson, euh, parce que là, je voudrais que nous abordions un autre chapitre de notre bibliothèque, là que nous sommes en train de constituer avec euh, les musiciens, avec les poètes turcs grâce à vous, avec les poètes chinois, les poètes russes. Si on prend par exemple, je ne sais pas moi, la littérature étrangère, y a-t-il euh, des romanciers, des romancières, euh, contemporains, contemporaines, qui vous ont particulièrement marqués ces dernières années Et comment Oui. Et comment Il y a euh, Elena Ferrante, par exemple. Ah oui, vous avez fait beaucoup pour Elena Ferrante. Mais elle était... Mais, mais... Elle est inférenté, évidemment, aujourd'hui, C'était elle, elle, elle était, était très curieux ouais. parce qu'elle était connue aux États-Unis, elle était connue, et elle n'était pas chez nous euh, il y a 4 ou 5 ans. L'ami prodigieuse. Et qui d'autre euh, Alors, il euh, y a un auteur, une femme, une jeune femme que j'aime particulièrement, parce que c'est, comment dire, c'est l'énergie romanesque incarnée. Euh, c'est Sylvia Vallone, ah oui? qui est une... Alors, Sylvia Vallone, c'est réellement un cas incroyable. Elle a écrit, qui euh, est sorti en France il y, a, il y a 7 ou 8 ans maintenant, euh, un, un, un bouquin qui s'intitule « acciaio, un roman qui s'intitule « acciaio, et qui est le passage de, dans, dans l'adolescence, la traversée de l'adolescence par deux mmh. gamines pendant la disparition de la sidérurgie italienne. Et traduit en français sous ce titre d'acier. Et traduit sous ce titre d'acier. Et vous savez quoi C'est d'une puissance oui. incroyable. Eh bien elle est là ce soir oui, pour vous. Est elle est venue d'Italie. Silvia Avalone. C'est tellement bien présenté quand même, c'est magnifique. <laughs> Et oui, Comme vous avez là, promis là, des surprises. Bonsoir Sylvia Vallone. Bonsoir, merci beaucoup. Ravi de vous accueillir, vous venez spécialement d'Italie. Vous êtes arrivée il y a quelques minutes seulement, nous sommes en direct ce soir. Euh... Ça, je, 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 je jure, sur la tête de Christian, <laughs> je ne savais pas. <laughs> – Sylvia Avalonnet, alors puisque je vous sens un petit peu émue, je vais reprendre, euh, si vous voulez bien, les présentations. À l'âge de 26 ans, en 2010, vous avez publié un premier roman époustouflant dont vient de parler à l'instant Daniel Pénac sur euh, une amitié déchirée, l'amitié déchirée de deux adolescentes dans le contexte de la crise italienne, d'Acier, traduit dans le monde entier en France, aux éditions Liana Lévy, dans une traduction de Françoise Brun, je tiens à le dire, succès planétaire pour cette épopée d'une usine sidérurgique, euh, et puis les habitants de la petite ville qu'elle domine, deux adolescentes de 13 ans, qui sont confrontées à l'amour, à l'amitié, à la violence familiale et à la violence sociale. Et puis, euh, on se dit, bon, voilà, auteur de premier roman, sauf que trois ans plus tard, vous confirmez avec ce roman, Marina bellezza l'histoire d'une rencontre-choc entre une bimbo qui veut devenir chanteuse et puis un garçon qui lui veut revenir à la terre et devenir berger, toujours sur fond de crise italienne. Euh, avant de vous donner la parole, Sylvia Avalone, j'aimerais savoir, Daniel Pénac, pourquoi vous aimez tant les romans de cette jeune femme qui est un véritable prodige la... D'abord, je ne la connaissais pas. On s'est rencontrés en Italie il y, a... il y a deux ans à peine. Je ne la connaissais pas. Donc j'ai lu. Et c'est l'énergie, mais l'énergie romanesque mmh. déployée. Dans ou dans, dans Dacier, par la description. Alors, c'est une énergie merveilleuse parce que c'est le passage de ces deux adolescents... Elles ont 13 14 ans. Hein. Tra... Qui ont 13 ou 14 ans. Qui... Et c'est un passage d'une violence folle. L'adolescence, absolument, il n'y a pas, je ne connais pas beaucoup d'adolescents heureux. Et l'énergie vitale qu'elles mettent à se tromper, à, 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 dans l'interprétation des sentiments de l'une vis-à-vis de l'autre, mmh. du réel par rapport à elle, elles ne comprennent rien à rien et elles traversent ça avec une violence extraordinaire. Et pendant ce temps, disparaît la sidérurgie italienne. Et cette sidérurgie italienne et symbolisé par la destruction d'une usine. Et quand vous lisez cette destruction d'une usine, vous êtes dans le Vie et Destin de Grossman, par exemple. Pleine bataille de Stalingrad, d'une hmm. violence là aussi. Et alors c'est pas la violence, c'est la puissance qui m'a frappé. Et je me disais comme attends elle a 26 ans, doit oui. être ma petite fille. D'où sort cette euh, puissance incroyable C'est la puissance de l'écrivain. Alors voilà Sylvia va donner la réponse. D'où sort cette puissance incroyable pour, euh, j'allais dire une primo romancière. Rappelons que c'est un premier roman. Je me souviens avoir eu la chance de le lire et, et même de vous remettre une récompense dans une vie antérieure au moment où le livre est sorti en France. Mais euh, d'où vient-elle votre puissance. Ben, C'est tout, merci parce que vous êtes très généreux. Je remercie, parce que vous êtes vraiment très généreux. <laughs> je, je me sens, sens encore à, à, à mes débuts, je dirais, au début de mon oui. parcours littéraire. Donc, mm. euh, euh, il me faut des critiques aussi, <laughs> j'en ai besoin. Je dirais que l'énergie, elle me vient de, de, de mon approche de la réalité, de la, de la, la manière dont j'affronte la réalité. J'ai écrit un roman sur la sidérurgie. Pourquoi Parce que précisément, je voyais cette ville que j'aime beaucoup et qui était en train littéralement d'exploser, qui souffrait, qui était en train de mourir. Je voyais ce monde tout entier qui est celui de l'industrie qui était en train de mourir et rien ne naît à la place de cela. Et moi, ça me met en colère. Piombino, hein, cette petite ville, et euh, la description est absolument saisissante. D'un côté, il y a la mer, de l'autre, l'usine, et entre la mer et l'usine, des barres d'immeubles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme euh, vie possible pour des adolescentes, deux jeunes filles, l'une est blonde, l'une autre est brune, de 13-14 ans, quand on grandit comme ça, dans quatre barres d'immeubles, entre la mer d'un côté et l'usine de l'autre Je dois dire que j'aime beaucoup les périphéries. J'aime beaucoup les banlieues, hein, ça faut que je le dise. Et... Trovo nella periferia Je ci trouve sia que comunque dans la banlieue, una fame, il che è che y a, me interessa, euh, si vous voulez, qui ci può une, une fin, une espèce d'envie, une fin révolutionnaire que l'on ne peut trouver que là, à cui un feu. Un feu auquel, malheureusement, les institutions, l'État, euh, ne donnent pas suffisamment de réponse. On n'arrive pas jusqu'à ces lieux. Et j'ai voulu raconter l'histoire de ces deux filles qui grandissent donc, en 2001, une année qui était été l'ère Berlusconienne par excellence en Italie. Et euh, à cette époque, la beauté, la, beauté, la marchandisation du corps, le tout de suite, tout, tout, tout de suite, tout facile, c'est la seule moyenne manière de s'en sortir sortir. La Et télévision, certes, mais sans monde, parcours, sans liberté. Tu prends, tu, tu manges, tu dévores, tu jettes. Et ça, ça. c'est un esclavage pour la femme. Ce n'est pas une liberté. Ce qui est frappant, c'est le rapport de la jeunesse aux mots. On a tout au long de cette émission tenté de les célébrer, mais pas de les célébrer naïvement. On a vu que parfois ils pouvaient nous échapper, un trou de mémoire. Parfois, ils se mettaient en musique également, les mots. Parfois, ils permettaient de nous dire qui nous étions. Chez vous, les personnages, les jeunes, se méfient des mots. C'est valable dans vos deux romans, on retrouve ça dans Marina Bellezza, comme si les mots, le langage, la parole, au lieu de délivrer, les réduisaient à néant. Euh, D'où vient cette défiance envers les mots et le langage du fait que peut-être que mes personnages ont eu de mauvais maîtres, non hanno conosciuto mm -hmm. Ils n'ont mm -hmm. pas connu Daniel penac qui, les qui aurait pu les encourager, par euh, exemple. A à servent, Ils n'ont non pas eu des bons les paroles, enseignants qui auraient pu expliquer à quoi servent les mots. Parce que les mots, ce sont des instruments ce, ce, ce sont des outils destino. qui permettent peut-être d'infléchir de euh, le destin. Et filles euh, ce sont des enfants, des, des, des de jeunes qui, qui ont hérité des blessures et de la culpabilité de leurs parents. Et comme bien souvent, et comme on le voit un peu partout en Europe, à ce moment historique, on constate qu'il n'y a personne qui nous raconte l'histoire de quelque chose d'un horizon politique, certes, mais pas seulement éthique également sur lequel on puisse travailler. Actuellement, on est dans ce moment où il n'y a absolument pas le moindre projet à l'horizon. Ce qui est extrêmement fort, je trouve, dans vos romans, Sylvia Vallone, c'est l'opposition entre, euh, entre les styles. D'un côté, euh, le macroscopique, le pays, puis de l'autre, le microscopique, c'est-à-dire les gens qui habitent le pays. D'un côté, une volonté, celle d'être connue de l'autre, celle, au contraire, de revenir aux racines, de revenir à la terre. L'incompréhension totale entre des gens dans une Italie dont vous dites dans Marina Bellezza c'est un pays mort. C'est un pays mort, l'Italie you <clears throat> Je l'adore à la folie, évidemment. Et je ne veux pas que ce soit un pays mort, ça me met très en colère. Mais si on pense à la beauté, la vraie beauté, euh, pas euh, celle dont parle euh, Marina, c'est-à-dire donner son corps en spectacle, parler de son talent, de ce que l'on aime, mais le monde, la beauté du monde qui nous entoure. Mais moi, si je regarde les beautés du paysage italien, toutes les possibilités qui sont là, Là, et qui sont mortes, non pas parce qu'elles sont mortes en tant que telles, mais parce que personne ne pose son regard mmh. sur elles, plus personne n'en prend soin et ne s'en occupe. Il y a trop de jeunes qui partent d'Italie. On et revient au reste, on revient très exactement à ce que vous décriviez, Christian. Hein, une question de regard, mmh. euh, regard à, à mettre à la belle et à la bonne place. J'ai l'impression que vous faites aussi un petit peu ce que Daniel Pénac fait dans un autre genre littéraire, c'est à mettre le doigt Là où ça fait mal. Euh, Daniel, je me souviens que La Fée Carabine, par exemple, était dédiée à la Sécu. Que euh, euh, La Débauche, euh, cette sublime BD Tardi Pénac, était dédiée aux virer, aux lourder, au dégraisser, au restructurer, au fusionner, au mondialiser. Bref, à tous ceux qui se retrouvent sur le carreau. Ce qui est aussi hein, l'enjeu de l'enlèvement de Georges Lapieta, euh, dont Lambert Wilson nous a donné lecture. Mais vous, Sylvia Avalon, c'est ça aussi? Que vous cherchez à, à montrer, dédié à ceux qui aujourd'hui sont laissés sur le carreau, les mots, la lecture, comme si ça pouvait être le déclic. Ça peut être le déclic d'ailleurs. C'est le rôle de l'écrivain. C'est très ambitieux. Je pense que euh, euh, la littérature s'est euh, toujours occupée des laissés et, pour compte et des blessures. Et encore heureux. Encore heureux Il y a un, un, je dirais, un, un, langar, un genre de langage qui n'est pas euh, asséné des slogans, mais observer les plaies, les décrire. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est raconter ce qui fait mal. Parce que, de toute façon, ce qui se passe bien. Euh, il ouais. n'y pas souci de, 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 de commentaires. Ça n'intéresse personne. Mais ce qui m'intéresse, c'est arriver dans ces fameuses périphéries. Euh, évidemment, mm. euh, moi, si je veux pouvoir être lu par les jeunes, eh bien, il faut que j'emploie je, des mots forts et je raconte ce qui ne va pas. Vous voyez, l'énergie. <laughs> et elle est belle, l'énergie. Elle, elle est, est forte, est elle est puissante, acte. intacte. Il y a quelque chose aussi. Hier, au téléphone, avec une, une de mes amies, on parlait de. Ce, 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 euh, ah, Sylvia parle de ce qu'on ne regarde pas, de, de, de cette Italie réelle, où plus personne ne regarde. Et hier, je discutais avec une amie au téléphone, elle me dit, et elle me dit cette phrase sibylline elle me dit, tu sais, il n'y a plus personne. <laughs> je dis, comment ça, il n'y a plus personne mais Elle me dit, mais au sens propre, il n'y a plus personne. Ton ordinateur tombe en panne, tu téléphones, on te donne un code qui te renvoie à un autre code, qui te renvoie à un autre code, et dans tous les domaines. Et la peste gagne. C'est-à-dire que l'interlocuteur, de quelque nature qu'il soit, disparaît dans tous les domaines petit à petit. Et de temps en temps, on a une et pour remplir ce, ouais. ce vide. Le personnage de Marina. Ouais. Qui est Marina Marina, c'est une gamine du Lumpen qui veut devenir euh, une star. Oui, une star, une star, une star de la chanson. Du cinéma. Une star de la chanson. Et ouais. de, 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 ouais, ouais, de, ouais, de, de la chanson, ouais. de la, chanson ouais. la plus tarte, la plus ouais. ce que vous voulez. Mais elle y met une telle énergie, la description, là encore une fois, la description de l'énergie mise par un être. Euh, abandonner de tout, une mère alcoolique, un père absent, etc. L'énergie mettre à réussir une ambition, à entrer. C est, c est, encore une fois, c'est cette description de l'énergie de l'être humain qui me frappe chez elle. Marina Bellezza et d'acier, sous la signature de Sylvia avaloné C'est aux éditions Liana Levy. Et puis c'est paru, évidemment, euh, en poche, je crois, euh, chez lu. Euh, merci infiniment d'être venue, Sylvia avaloné de euh, Bologne, je crois, c'est ça euh, Alors, euh, le retour, nous sommes en direct et c'est déjà la fin de cette émission. Euh, tiens, puisqu'on a commencé à, à parler de musique, de son, de reconnaissance des mots par les sons, évidemment, Carole Beffa. Je ne résiste pas à l'envie de vous demander de, de terminer euh, cette émission au piano. Le temps de rappeler que euh, les livres euh, dont nous avons parlé ce soir sont à retrouver avec leurs titres sur euh, bah, le site de la Grande Librairie, sur tous les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Le temps de vous dire que la semaine prochaine, c'est Michel Onfray et Patrick Boucheron, notamment, et Emmanuel Dongala qui seront présents sur ce plateau pour parler d'histoire et de romans. Le temps de vous remercier de nous suivre tous les jeudis avec euh, beaucoup de fidélité. Et le temps de remercier également Christian Bobin, Sylvia Vallonet, Lambert Wilson, Carole Beffa et Daniel Penac de nous avoir permis de montrer qu'avec les mots, on pouvait ajuster le regard. Tiens, si on devait Carole Beffa, improviser comme ça un nouveau générique à la Grande Librairie, qu'est-ce que ça donnerait <laughs>